Là, je les compte en fait pour estimer la quantité totale à la fin, sachant que il faut à peu près 150 fleurs pour obtenir un gramme. Donc ça va me permettre d'estimer. Allez, je reprends une. Marie-Laure est venue cet été pour me proposer des produits qu'elle cultive. Et donc elle m'a parlé de la production de safran et je. Et donc j'ai pour ma nouvelle carte qui est en cours décidé d'utiliser son safran pour la partie salée et la partie également sucrée. Et j'étais ravi du produit parce qu'effectivement le produit était de très très bonne qualité. C'est un dessert à la carte, pommes et poires pochées dans un sirop à 30 safrané, mousse pomme, voilà des petits coulis autour de la pomme ici et du caramel beurre salé. Comment vous appelez les petites Des hippotopes. Hippotopes. Et donc ils ont des saveurs chacun particulières. Donc je vous laisse le soin de déguster si vous voulez. Allez-y. Je vais piocher. Ah oui, c'est une explosion en bouche. C'est bon. Ouais. L'arôme de la poire avec le safran, ouais, ça se mélange vraiment à merveille. Avec une crème montée. Je suis curieuse. Surtout que la pomme, la poire, c'est des produits un petit peu typiques de notre région aussi. Oui, c'est la Golden, la poire conférence. C'est parfait, il n'y a rien à redire. Chef, bravo. Merci. Là, je suis en deuxième année de conversion en agriculture biologique, mais depuis le début de la plantation, tout est bio. Hein. Rien n'est mécanisé, tout est fait à la main et j'ai rien apporté, ne serait-ce que de la cendre de bois et c'est tout. J'ai fait analyser mon safran l'année dernière et il y a plusieurs catégories, 1, 2 et 3. J'étais dans la catégorie 1, donc un très bon taux. Ils analysent la couleur, le parfum et le goût. Un safran de très bonne qualité. Un ami qui vient nous aider également. Merci, ami. Ah oui, d'accord, ah oui. Ça pourrait se détacher. Pas bien. Non, moi aussi, je mettais les pistils là. J'essaie de garder mon pistil entier. Donc, trois filaments, c'est un pistil. Et je le commercialise comme ça, ce qui est pour moi un label un petit peu de qualité. Souvent, le safran qui est commercialisé en poudre, il n'y a pas que du safran dedans, malheureusement. Il y a de tout, de la brique, du curcuma, tout ce qui est bon pour rajouter du poids. Donc voilà. Chacun travaille bien, ça va. Il n'y a pas de... Moi, je crois pas. Les plus grosses journées que j'ai eues, c'était 15 000 fleurs jusqu'à présent. C'est déjà une bonne journée. C'est déjà une bonne journée, hein, de 10h du matin à 3h du matin. Normalement, c'est euphorique. Au bout de 3h d'émondage, tout le monde est mort de rire. Bah, tu commences. Quand je vais regarder sous la table, de quoi tu regardes. Qu'est-ce que vous me voulez? Bon, il y en a plein sous la table aussi. Il y a la bouteille sous la table. Oh, mets-moi-le dans la tasse, ça sera un verre de plus. Gentiment.
un bourbon tout à l'heure. Hein. Ah, il faut le laisser qu'il gonfle. Direct de malin, mais il était complètement. Je l'enlève. Mmh. Ceux qui veulent l'arrêter, ils arrêtent. Non. Oh, je peux me mettre au bout là, parce que le soleil dans les yeux. C'est pas une chaise qui traîne par là encore. Ah, d'accord. Il faut pas de jaune. Tu sais où il est là ? Bonjour. Bonjour. Je te ramène un petit peu d'oignon. D'accord, super. Un peu de safran, un peu de sirop. Des sirops, super. Non, moi, il fait spécial cette année. On va attendre la fin de la récolte, mais il doit y avoir trois fois moins que l'année dernière. Parce que moi, elles sont sorties. J'ai pas de fleurs. T'as pas une fleur ? Non, mais j'ai eu. Mais par contre, elles sont tous sorties, elles sont tous là. Mais t'as pas de fleurs. Mais j'ai pas de fleurs. Et c'est mes bulbes là, ouais, cette année. Oui, mais ils sont tous là. Uh-huh. Non, bah c'est ça. La plupart des producteurs, ils ont pas eu de fleurs non plus. Bon. Alors là, nous sommes chez Julie et Eric Lefrançois, à Condo, voilà, à leur ferme. Ils ont ouvert une petite boutique depuis l'été dernier. Donc on peut retrouver tous les produits locaux des agriculteurs. On a les confitures de Louise, le miel de Serge Launay, les pâtes d'Éric et Julie, les jus de pommes. Voilà, tout un tas de... Il y a des fruits également, des fruits, des légumes. Et toi, tu viens donc leur livrer ton safran ? Un petit peu de... Oui, du safran, du sirop, entre autres, et des petits oignons. Ça, c'est une autre activité que tu as pour pouvoir vivre quand même, parce que tu ne vis pas que du safran. Non, en partie du safran et un petit peu de maraîchage que je développe à la maison depuis cette année. Là, je travaille avec un biocoop en région parisienne. Et puis, le reste sera pour fournir des restaurants pour le collectif Percheron. Oui, des petites courgettes en fin de course. La Gold Rush. Ça reste vraiment l'étape la plus délicate et la plus importante. C'est vraiment ce qui va déterminer la qualité du safran, sa couleur, sa saveur et son arôme. Donc moi je l'étale en très fine couche. Je le fais sécher au four électrique à basse température, c'est-à-dire à 50 degrés pendant à peu près une demi-heure, voire plus. Et c'est vraiment l'étape la plus importante. S'il est trop séché, évidemment, le safran va perdre toutes ses qualités gustatives. S'il n'est pas assez séché, il risque de pourrir. La qualité du safran ne va pas être la même. Plus il est séché longtemps, ça va donner un safran beaucoup plus épicé. Tandis que là, ça va donner un safran vraiment safrané avec des arômes beaucoup plus suaves et beaucoup plus séduisants. Donc je finis d'étaler tous mes petits pistils. Voilà, alors on va enfourner les planches. Voilà,
troisième. Voilà, alors là, je vais le mettre sur chaleur ventilée. Tac. À 50 degrés, c'est parti pendant une demi-heure. Il est 4h moins 5 hein, et on va retirer vers 4h30. Bah écoute, on va aller jeter un petit coup d'œil dans la safranière, voir s'il y a de la limace. Parce que j'ai quelques petites fleurs de grignoter cette année et on va aller voir ce qu'il y a. Parce que les années précédentes, ça m'est arrivé de me lever en pleine nuit avec la frontale et de ramasser des seaux entiers de limaces. Donc là, on va essayer d'arrêter les dégâts tant qu'il est encore possible. Ah, tiens, tiens. Ah, elles se mettent entre les tiges et elles dévorent la fleur. Il y a 4 ans, j'ai ramassé deux seaux, deux grands seaux pleins à ras bord. De la folie. Il y avait une dizaine de limaces par pied, par bulbe. Ah, saloperie, elle bouffe carrément le pistil. Cinq limaces. C'est pas encore énorme, mais bon, c'est trop quand même. S'il n'y en avait pas du tout, ce serait un peu plus mal. Non, ça fait des gros dégâts, hein. C'est petit, mais costaud. Et là, ça me paraît pas mal. Donc, on peut voir que ça a perdu beaucoup de volume. Il perd donc 80% de son poids une fois sec. Et là, je vais contrôler le séchage juste. Voilà, on voit qu'il garde encore un petit peu de flexibilité. Et si on force, il doit casser net. Ouais. Ça, je conditionne dans le grand pot. C'est une partie de ma production de 2016. J'espère qu'il sera plein et qu'il y en aura plein de pots comme ça. Donc je vais le mettre tout de suite au placard, à l'abri de l'humidité et de la lumière. Donc là, si je compare à l'année dernière, j'ai eu ma première fleur le 29 septembre. Et on peut remarquer que ça monte crescendo la première semaine. 20, 500... 1000, 2000, 6000, 11000, et ça redescend gentiment, 6000, et ça remonte, 9000, 4000. J'ai eu mes dernières fleurs le 2 novembre, donc ça a duré un mois et deux jours. Et en 2016, ça a commencé le 15 octobre, donc il y a déjà 15 jours de retard. Qui va jouer, je pense, sur la floraison, comme on a des journées beaucoup plus fraîches. Donc là, ça a vraiment démarré tranquille, hein, la trentaine, la centaine, 400, 600, 900. Et là, on est vraiment dans le pic de la floraison, où on a atteint avant-hier les 3200 fleurs. Et la toute première année, en 2010, j'ai récolté ma première fleur le 5 octobre, le jour de la Sainte Fleur. Voilà, j'avais fait 4,5 g la première année. C'est un bon début. Et jusqu'à l'année dernière où j'ai atteint les 600 g. Voilà.